championnat national est déjà bien engagée. Cette première partie a vu l'équipe d'Ikawa mener le jeu à la surprise de tous. Le score est de 12 à 5. Les Sunlight ont demandé un arrêt de jeu. Monsieur. Quoi? Marie, je suis prête. Oh, mais tu es folle. Je veux jouer. Mais attends, réfléchis au risque que tu vas prendre. Ton œil droit n'est pas encore guéri, et s'il reçoit le moindre coup, toute ta carrière est fichuée pour toujours. Marie, tu as promis de te mesurer à moi pendant cette finale. Ne m'oublie pas. Je ne peux pas refuser le défi que m'a lancé ce regard ardent. Je n'ai pas le droit de la décevoir. Hein? Retourne t'asseoir, Marie. C'est ton entraîneur qui te l'ordonne. J'ai le regret de vous dire que je vais refuser de vous obéir. Seul mon orgueil dictera ma conduite. Alors, fais comme tu veux. Et voici le coup de théâtre le plus inattendu. La vedette des Sunlight, la grande Marie Takigawa, a ôté son survêtement. La voici sur le terrain. Le public l'accueille par un tonnerre d'applaudissements. Vous voulez qu'on s'attrape, les filles? Oui. Alors, allons-y. Allons-y. Pour Marie, hip hip hip. Hourra. Et maintenant, Jeanne, à nous deux. Je vais te battre, Marie. De son merveilleux talent. C'est à elle de servir. Maintenant, c'est un vrai défi. Voilà l'adversaire que je voulais affronter. Oh, oh. Jean, oh. On appuie sur cette balle. Et tu crois que je vais te laisser faire? Oh. Échapper sa balle. Ce sont les autres qui ne jouent pas à son rythme. Quoi? Vous êtes prêtes, les filles? Oh! Oh! À toi! Qu'est-ce que tu fiches? Marie fait des passes trop rapides. Mais vraiment, et pourquoi? Parce qu'elle joue au rythme auquel on est habitué aux Jeux Olympiques. Il va lui falloir encore quelques échanges avant qu'elle ne se règle en fonction du rythme imposé par son équipe. Jean! Marie Takigawa n'a pas vu la balle sortir, elle l'a touchée sans la renvoyer. Ikawa remporte donc la première manche. Pour Ikawa, Ibibi, hurra! Ikawa, à toi! Ikawa, maintenant! Mais qu'est-ce qui m'a pris? C'est incroyable que Marie fasse de telles erreurs. Vas-y, Ikawa! Quelle jeune fille merveilleuse tu serais devenue. Jeanne Azuki semble être la meilleure joueuse de cette rencontre, n'est-ce pas? Hein? Oh oui, absolument, absolument. Bien, la seconde manche va commencer. Nous allons voir si les Sunlight vont pouvoir réagir. Oh. Il ne peut pas y avoir d'erreur. C'est elle. Nous l'appellerons Jeanne. Jeanne Azuki. Elle sera le rayon de soleil qui illuminera notre vie. Tu seras mon rayon de soleil. Ma fille.
Regardez bien, Jeanne Azuki va servir. Seconde manche, ce sont les Sunlight qui mènent l'offensive. Mais voici Ayaz qui fasse et qui marque un point. Ikawa réagit pour ne pas se laisser distancer. Le score n'est plus que de 10 à 7 en faveur des Sunlight. Mais voici une superbe fin de Marita Kikawa. Elle marque le point et récupère un bon plus service pour son équipe. Je lui fais une feinte et aussitôt après, elle me fait exactement la même. Avec une joueuse comme elle, on aurait dû s'y attendre. Marie est aussi rusée qu'un renard. Il va falloir faire très attention. Tu es une adversaire redoutable, Marie. Mais moi, je vais te battre. À vous! Attention, la voilà! Je vais lui montrer ce que je sais faire. Jeanne! Toujours cette flamme dans ses yeux. Cette flamme! S'effondrer après avoir laissé passer la balle. Nous sommes stupéfaits. Ce n'est rien. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Oh, je crois qu'elle a des problèmes aux yeux. Aux yeux? Aux yeux. Ses yeux. Eh bien, tout à l'heure, elle s'est jetée sur la balle qui était largement dehors. Et là, je l'ai vue se cacher l'œil droit. Moi, je suis certaine qu'elle a quelque chose à l'œil. Alors, tout s'explique. Sale menteuse! J'ai l'œil droit. Voilà pourquoi elle ne voulait pas jouer. Alors, on va en profiter. Quoi? Maintenant qu'on sait qu'elle a peur de la balle, on va se mâcher sur elle. Non, pas question. Tu vas voir, Jeanne. Je vais le bloquer ton prochain smash. L'équipe d'Ikawa va certainement profiter du désarroi de la défense adverse. Salut à toi, Jeanne. Je l'ai. Tu n'as pas osé. Si tu avais snatché sur moi, ton équipe aurait marqué le point. J'ai peur. J'ai peur de lui faire du mal. Les Sunlight ne sont plus qu'à un point de la victoire dans cette seconde manche. Et en plus, elles ont l'avantage du service. Triste, Jeanne. Qu'est-ce qui t'arrive? Pas la smash, Jeanne! C'est gagné! Marie Takigawa a parfaitement placé son smash. Les Sunlight gagnent donc ce deuxième set. Oh, ma jambe. C'est de ma faute. Je me suis laissé prendre par le regard de Marie. Pas vrai, tu pourras jamais manger tout ça. Pour la dernière manche, il leur faut un supporter d'enfer, alors je prends mes forces. Logique implacable. Mademoiselle Tajima, l'issue de cette rencontre me paraît imprévisible. Êtes-vous d'accord avec moi? Oh, Kyuji, reste-toi. Oui, toutefois, si Jeanne Azuki ne retrouve pas l'agressivité qu'elle a montrée au premier set, les Sunlight devraient remporter le match. Kyuji,
Extraordinaire! Encore un superbe smash de la championne, Kyushi Tajima qui marque le point! C'est fantastique! C'est fantastique! Kyushi a mené son équipe à la victoire depuis le début de cette rencontre! Notre équipe nationale a gagné la médaille d'or grâce à Kyushi! Cette journée restera mémorable dans tout le Japon! Changement de camp, le score était de 7 à 4 en faveur des Sunlight. La joueuse numéro 1 d'Ikawa semble multiplier les erreurs. Ah, papa, papa. Ikawa semble vouloir passer à l'offensive. À vous deux, Jeanne. Harry a compté le smash en beauté. Peggy Aya plonge, mais la barre est trop loin. Et c'est un autre point pour les Sunlight. Mais qu'est-ce qui se passe? Peggy Aya ne se relève pas? Serait-elle blessée? Non, elle se remet debout. Elle sait que je suis handicapée. Alors elle joue avec exprès. Sina! Non, smash quand même. Récupération par les Sunlight. Takikawa smash et marque le score. Maintenant, les Sunlight mènent largement par 10 à 4. Elle a fait une grave erreur avec sa balle courte. Une championne doit toujours se matcher, même si elles font le mur en face. Bien sûr, entièrement d'accord. Peggy, comment va ta jambe? Ah, ça va aller, Jeanne. Ne t'inquiète pas. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que tu smashes comme au premier set. Peggy Aya semble s'être blessée à une jambe. On va donc porter toute l'attaque sur elle, compris? Attends, Jeanne! Je l'ai! Jeanne, smash de toutes tes forces! Il va y avoir de compassion entre nous. Smash sur moi, Jeanne! T'as pas bien compris. Voilà ce que tu dois faire. Peggy! Ça va aller, Jeanne. Mais c'est comme ça qu'il faut jouer. Il s'en prend à Peggy. C'est comme ça qu'on joue et c'est pas autrement. C'est Peggy qu'elle vise, elle le fait exprès. C'est pour me faire comprendre quelque chose. Les Sunlight mènent à présent par 13 à 7. L'équipe d'Ikawa est en difficulté. Elle demande un temps mort. Mes filles, nous avons plus grand chose à perdre. Je vous demande au moins de retrouver votre esprit combatif. Que voulez-vous dire, monsieur? Jeanne... Je m'adresse à toi tout particulièrement. Tu ne dois pas restreindre ton jeu par crainte de blesser l'adversaire. Ce n'est pas juste pour toi et c'est une offense faite aux autres. Je suis en train de forcer Marie. Jeanne, ton désir était bien de m'affronter. Marie a accepté mon défi pour tenir sa promesse. Et pourtant, elle a mal aux yeux. Et je suis là à faire semblant de jouer, mais que va-t-elle penser de moi? Mesdames et messieurs, la partie va reprendre. Les deux équipes regagnent leur place. Les Sunlight mènent actuellement par 13 à 7. C'est à Marie de servir. Oh! Peggy! Ouais, c'est bon! Je la prends! Vas-y! Oh. Allez! Les Sunlight font le mur à trois. Là, je connais bien ma grande sœur. Bravo! Nanazuki est vraiment une joueuse de très grande classe. C'est vraiment une fille exceptionnelle. À tout point. Comme dans le premier set. Ça, c'est vrai. Fais-lui la passe, ça marche. Marie va voir cette fois ce dont je suis capable. Vas-y. T'as vu celui-là? Tu es enfin toi-même, Jeanne. C'est comme ça que je t'aime. C'est à Jeanne Azuki d'engager. Elle prend son élan pour un service canon. Là, je vais mettre tout le paquet. Jeanne!
croyez à moi, continue comme ça. Jeanne Azuki semble invincible. Vas-y, Jeanne, vas-y, incroyable. Ikawa effectue une remontée spectaculaire, elles ont l'avantage. Elles empêchent ainsi l'équipe adverse de pouvoir marquer au service. Le point fatidique du match. L'équipe d'Ikawa n'a jamais si bien joué et se défend ardemment. Et voici à présent au service le capitaine de l'équipe, Peggy Gaillaz. Passe au filet, smash de l'avancement. Chaque équipe qui sert perd la balle. Le score demeure donc de 14 à 13 en faveur des Sunlight. Aucune des deux équipes ne parvient à prendre ce point pour les Sunlight. Ça signifierait la victoire. Et pour Ikawa, ce serait l'égalité. Cette finale est fantastique. C'est maintenant que la pression est la plus forte. C'est à qui aura les nerfs les plus solides. Je dois gagner. C'est moi qui dois gagner ce match. Donne-moi la victoire. C'est pour elle que je me suis tant entraînée. Ikawa nous montre toute sa force. Et nous, on n'en veut plus du tout. Au service des Sunlight pour leur 12e match. Oh, voilà. D'accord, j'y pense. Attention, ce match de Azuki. Ah, je n'y arriverai. Jamais. Ça ne se passera pas comme ça. Il faut que je la planche. Je gagne déjà. Ses yeux lancent des flammes. Ah oh. Elle ne doit pas tomber. Il faut que je la rattrape. Je l'aurai. Ah Peggy, elle est là. Ah oh, Jeanne, je vais la voir. Jeanne, je t'en prie. Peggy, je ferai le smash de toutes mes forces. Vas-y. Tu passeras pas. Je t'ai eu. Je veux pas voir ça. Non, l'arbitre a jugé que la balle était sortie. Le point est donc attribué à l'équipe des Sunlight. Et c'est la victoire. Les Sunlight remportent le tournoi comme l'année dernière. Mais c'est pas possible. J'ai perdu. Merci, Jeanne, pour cette magnifique rencontre. Nous pouvons être fiers, Jeanne. Même si nous avons perdu, c'était un très beau match. Oui, Peggy. Et c'est pas le dernier. Ouais. Marie, je te défierai à nouveau. Je vais encore jouer contre toi. Jeanne, je peux lire dans ton regard brûlant quelque chose de merveilleux. Moi, je crois que ce ballon est comme un miroir qui reflète nos âmes. Oui, car quand nous jouons, le ballon devient vivant. Et même si nous sommes rivales, nous restons unis par une passion merveilleuse. Jeanne? Kyushi, c'est pas un peu tard pour te rappeler que tu as une fille. Oh, alors c'est bien ce que je pensais. Jeanne est ma fille. Papa, Toshiko, on s'en va. Oui, oui, Sami, nous partons. Viens, allez, viens, papa. Jeanne, tant que tu seras sur le chemin, je ne t'encombrerai pas avec mes sentiments. Grâce à mon sport favori, je découvre chaque jour quelque chose d'extraordinaire. Qui aurait jamais pu imaginer que de cette défaite pourrait naître une grande amitié? Et la merveilleuse sensation que j'éprouve en ce moment est encore plus grande parce que Serge me regarde.